au caveau, au trésor. Je dois trouver un moyen de descendre. Non! S'il se retranche dans le caveau, est-ce qu'il projette de libérer l'armée du roi Salomon? Il serait fou de compter sur une armée mythique pour empêcher l'invasion. Il faut que je le prévienne. Il doit y avoir un autre moyen d'entrer. En atteignant le caveau, j'ai compris pourquoi Malik était venu. Il avait placé son dernier espoir dans l'armée. Sa seule autre option était la retraite. Et la défaite. L'envahisseur avait atteint le caveau avant. N'ayant rencontré aucune résistance, il prenait son temps pour s'en accaparer tous les trésors. J'ai compris que le palais était perdu. Ah!
Malik ! Enfin. Tu as dit que tu trouverais un moyen. Tu es peut-être bien aussi doué que le dit notre père. C'est bon de te revoir. Viens avec moi. Nous verrons ce que nos ennemis feront de l'armée de Salomon. Malik, c'est de la folie. Tu dois quitter cet endroit. Sauve-toi et sauve ce qui reste de ton peuple. Mon peuple est presque détruit. Tu l'as vu toi-même, le palais est tombé. C'est la seule issue. Si je peux contrôler cette armée, notre victoire est assurée. Et si tu n'y parviens pas, que feras-tu? Tu préfères que je recule et que j'abandonne ce pouvoir à l'ennemi? Si je contrôle cette armée, nous avons une chance. Aucun homme ne devrait réveiller cette armée. Tu ne sais rien des décisions qu'un chef doit prendre. J'ai le pouvoir de sauver son royaume. Je le ferai! Je ne remets pas en question tes qualités de chef. Mais tu ne sais pas à quoi tu as affaire. Oui, autant de guerriers que de grains de sable dans le désert. N'y touche pas.
ça? Cet endroit me dit quelque chose. C'est comme ça que je suis arrivé ici. Mais où suis-je exactement? Et qui es-tu? Et que sais-tu de l'armée du roi Salomon? Je m'appelle Razia. Je suis la reine du Marid, la gardienne des eaux et l'alliée du roi Salomon en personne. C'est moi qui l'ai aidé à enfermer cette armée. Mais c'est arrivé voilà plus d'un millier d'années. C'est impossible. Je suis une djinn. Nous vivons bien plus longtemps que vous, les humains. Et surtout, nous n'oublions jamais les choses essentielles. Sais-tu seulement ce que ton frère a réveillé? Sache que cette armée n'appartenait pas au roi Salomon. Au contraire, elle fut envoyée pour le détruire. L'armée prend sa force au sein même du sable du désert. C'est comme une maladie. Plus elle touche de sable, plus l'armée crée de soldats. Si tu ne la pièges pas rapidement, elle recouvrira tout. Comment puis-je l'arrêter? As-tu gardé la moitié du sceau que tu as récupéré? Oui, bien sûr. Bien. C'est une magie très puissante. Seule, elle t'aidera à combattre l'armée. Si tu arrives à réunir les deux moitiés, tu pourras recréer sa prison. Tu dois trouver l'autre moitié du sceau et l'associer à celle-ci. Malik l'a toujours. Alors tu dois le retrouver, et vite. Tu vas recevoir l'aide du djinn. Beou aura de retrouver les amandes d'aide. Qu'est-ce que tu as fait? Si tu souhaites arrêter l'armée, il te faudra plus de temps. Voilà, je viens de t'en donner. Du temps? Et une dernière mise en garde. L'armée est dirigée par Ratash, un Ifrit. Il voudra récupérer le médaillon. Si tu le rencontres, surtout, ne l'affronte pas. Sache que tu ne pourras jamais le vaincre. Je tâcherai de m'en souvenir. Va. Souviens-toi que ce royaume est perdu si tu ne parviens pas à reformer le sceau. Pourquoi ai-je l'impression que ce ne sera pas si facile que ça? Quel était cet endroit? C'est ce qu'elle devait vouloir dire par me donner plus de temps. Ce sont donc les pouvoirs du djinn? Ce sont les écuries. Je peux atteindre la forteresse par ici. D'où vient ce calme? Je n'entends même plus le bruit des combats. Ah !
Un jour, j'aimerais tomber sur des pièges qui font la différence entre moi et un ennemi. Alors, il suffirait simplement pour réussir de réunir deux moitiés de médaillons. Je me demande si Malik m'a attendu. Il a sûrement un meilleur plan que moi. J'aurais déjà dû croiser quelques soldats tout de même. Où sont-ils tous passés ?
Du saut. La plupart se dirigent vers la forteresse. Si j'arrive à fermer les portes, ça les empêchera d'envahir la campagne. De là, je devrais trouver un moyen de les enfermer à nouveau. Je connais un moyen. J'ai l'autre moitié de ton médaillon. Si nous réunissons les deux, nous réussirons à enfermer l'armée. Qui t'a raconté ça? Je peux pas t'expliquer, mais je crois que ça peut marcher. Ces créatures transforment tous mes hommes en statues. Il me semble bien que ces médaillons nous protègent. Si tu perds ta moitié, tu seras en danger. Si nous devons réunir les deux, je veux que tu restes à mes côtés. Rejoins-moi aux portes. Tu dois rester prudent. J'ai activé le système de défense du palais. Il y a des pièges partout. J'avais remarqué. Les engrenages doivent activer le système de défense. Ils ont l'air plus dangereux que le piège. Thank you.
Je pense que mon père avait d'autres choses en tête quand il m'a envoyé ici. Va voir Malik, il t'apprendra à diriger une armée. Apprends plutôt à lui courir après dans tout le palais. Je me fais toujours commander par les femmes. Dis d'abord Farah, et puis elle.
C'est la créature dont Razia m'a parlé. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle a raison. L'armée devient de plus en plus puissante.
Aucune statue dans la cour. L'envahisseur a dû battre en retraite dès qu'il a vu ces créatures des sables. Et j'aurais fait la même chose. Tu es là. De nombreux soldats des sables sont en chemin. Je peux les ralentir, mais j'ai besoin que tu fermes les portes. Très bien. Comment ça marche? Comment je le saurais? Merci de ton aide.
Je crois que les leviers derrière toi bloquent le mécanisme. Si tu le débloques, tu devrais réussir à faire lever le pont. Ils sont passés. Dépêche-toi, occupe-toi du mécanisme. Je les ai attirés dans les pièges, écrasés avec des pierres. J'ai dû en tuer des centaines, mais il y en a d'autres. Je sens ma force grandir à mesure qu'ils meurent. Tu as besoin d'aide? Non. Tu t'en sors avec les portes? J'ai débloqué les engrenages. Bien. L'armée est presque là. Je vais les ralentir. L'armée aurait-elle une influence sur lui? Il dit qu'elle le rend plus fort. Quelque chose ne tourne pas rond. Ils sont passés! Tu as fermé les portes? Du mieux que je pouvais! On aura l'affaire. Allez! Malik! Mais nous voilà à nouveau séparés!
Il faut reconstituer le médaillon. Attends-moi là, je vais essayer de monter. Rien ne presse. L'armée est prise au piège. Je peux les tuer un à un et gagner leur pouvoir. Mais est-ce que tu t'entends? Cette armée a rendu ton peuple exsangue. Et tu refuses de l'arrêter car elle t'offre sa force? Nous pouvons en finir maintenant. Lance-moi le médaillon! Jette-moi ta moitié! Si le pouvoir ne t'intéresse pas, laisse-moi reformer le sceau! Je le savais. Razia avait raison. Il faut que je réunisse les deux moitiés du médaillon. J'espère que Razia pourra m'expliquer ce qui se passe.